Buongiorno. Allô. Buongiorno. È con noi il regista Fred Grivois, regista del film La Résistance de l'air. Bello il film e molto bello il titolo. A chi è venuto questo titolo? L'ha trovato lei? Oui, absolument. C'était, d'ailleurs, c'était mon idée, puisque je ne suis pas scénariste du film. On cherchait un terme technique par rapport au tir. Et il y avait ce terme de résiste. Enfin, cette histoire de cet homme qui tend vers quelque chose, et entre lui et ce quelque chose, cette autre vie, il y a de l'air. Et il y a des frottements. Voilà. C'est venu de ça. On aurait pu appeler ça la densité du vide. Ce qui revient au même. Mais les tireurs parlent tout le temps de résistance de l'air, de frottement de la balle. Voilà. Et c'était à la fois un terme technique et qu'on trouvait assez poétique. Et on a beaucoup cherché parce que... le distributeur trouvait que c'était un peu trop abstrait et on n'a rien trouvé. Voilà. On a cherché pendant 6 mois, on a eu des propositions, des groupes de travail qui ont cherché, mais celui-là était le meilleur et il était même venu avant qu'on ait fini d'écrire le film. In realtà l'idea è venuta a me, che non sono lo sceneggiatore del film, cercavamo un termine tecnico che in qualche modo incarnasse anche la professione del protagonista e soprattutto qualcosa che rendesse l'idea della tensione che quest'uomo ha verso qualche cosa di diverso, verso un'altra vita e che quindi... identificasse la traiettoria di questo percorso nell'aria, in una sospensione dell'aria con tutte le sue correnti, anche l'aria che viene attraversata dal proiettile. Un titolo alternativo avrebbe potuto essere La densità del vuoto, ma a noi piaceva questo, la resistenza dell'aria, lo trovavamo poetico e soprattutto è un termine che è molto utilizzato tra i tiratori. Non piaceva molto all'inizio ai distributori, l'hanno trovato troppo astratto, ma abbiamo cercato per 6 mesi e non ci è venuto in mente niente di diverso da questo, niente di meglio di questo titolo, che peraltro abbiamo trovato prima ancora di realizzare il film. Se ci sono già delle domande, se no continui. Ho cominciato a vedere il film e non sapevo niente di lei e degli altri collaboratori suoi, e vedendo il film è venuto in mente però subito il nome di Jacques Audiard. Poi sono andato a vedere da dove venivate tutti. Ci può dire questo rapporto tra Audiard e tutti voi? Allora, j'ai commencé comme designer de... comment on dit, de télévision, et je faisais beaucoup de génériques et de jingles pour la télé française. Et puis un jour le scénariste de mon film, qui est le scénariste de Jacques Audiard, qui a écrit Un prophète et qui a écrit De rouillé d'os, qui est un ami, m'appelle en me disant Jacques Audiard a vu ce que tu faisais, il a besoin d'un générique pour son film. Et le film à l'époque, c'était De battre, mon cœur s'est arrêté. Et voilà, et j'ai rencontré Audiard comme ça. J'ai fait le générique et la séquence d'ouverture de battre, mon cœur s'est arrêté. Et puis est arrivé. Voilà, et puis on a continué à travailler, donc ça va faire maintenant 10 ans. Il y a eu Un prophète. Sur Un prophète, moi je. On m'a souvent dit que j'étais deuxième équipe, mais il y avait une deuxième équipe qui s'occupait des cascades et tout ça. Moi, j'ai fait sur Un prophète toutes les séquences de rêve, avec les biches dans la forêt, tout ça, les trucs un peu abstraits. Sur De rouillé d'os, même chose. Il y a une séquence d'ouverture en début du film qui fait à peu près 3-4 minutes, qui est une séquence qui est le rêve du petit garçon, dans lequel on raconte tout le film de manière très très abstraite, où j'avais pris des images que j'avais distordues. En fait... moi, la façon dont je travaille avec lui, c'est que je lis le scénario de son film, on en parle un peu, et puis surtout, et puis après, en général, j'entends plus parler de lui.
Je sais que le film se tourne, je l'apprends en général par hasard. Et une fois qu'ils sont en montage, là, je reçois un coup de fil et on me dit, voilà. Et Jacques me dit, ah, j'ai une idée pour une séquence, j'aurais besoin d'un truc comme ci, comme ça. En général, c'est très, très abstrait, je ne comprends pas tout. Et puis, je fais ma séquence de mon côté, et puis voilà, et je lui montre des images, je les monte, on travaille ensemble, et ça finit par faire un générique, une séquence de rêve où... sur le dernier, sur Dipan, je ne sais pas s'il est sorti, ouais. Vous l'avez vu. Oui. Voilà, il va sortir. Sur Dipan, pareil, j'ai fait un petit truc de typographie au début, parce que c'est, en fait, moi, je viens de la typographie du design. Et puis, une grosse séquence de typographie mélangeant des images réelles à la fin du film qui clôt, puisqu'il n'y a pas vraiment de générique dans Dipan. Voilà, et ça va faire, si je compte bien, 10 ou 11 ans qu'on travaille comme ça. Il y a effectivement dans mon film certaines choses qui peuvent ressembler un peu, mais voilà, j'ai la chance d'avoir pu côtoyer un grand réalisateur, sans doute aujourd'hui un des plus grands réalisateurs français. Voilà, j'ai beaucoup appris à côté de lui et forcément, je pense qu'on ne se défait pas des influences de ses maîtres. Un peu non, mi sa va. Io inizio la mia carriera come disegnatore per la televisione, in particolare come titolista e disegnatore dei jingle per la televisione francese. E a un certo punto ho conosciuto lo sceneggiatore di questo mio film, che è stato lo sceneggiatore di Jacques Audiard su molti progetti, a partire dal Profeta e da Un sapore di ruggine e ossa. Ma io l'ho conosciuto con Débattre mon corps, c'est arrivé, uno dei primi film di Jacques Audiard, e mi aveva chiesto di disegnare, di occuparmi della sequenza di apertura del film. E quindi è iniziata in questo modo la nostra collaborazione, che dura ormai da una decina d'anni. Sul Profeta mi è stato chiesto, non tanto, sono stato identificato come responsabile della seconda unità, in realtà c'era una seconda unità. Quello che mi è stato chiesto di fare da parte di Jacques Audiard è stato creare una sequenza onirica del film. La stessa cosa ho fatto per Un sapore di ruggine e ossa, e la sequenza iniziale di 3-4 minuti in cui c'è il sogno del bambino che ripercorre tutto il film. Il modo che ho di lavorare con Jacques Audiard è di leggere la sua sceneggiatura, di parlare con lui del film, poi scompare ogni notizia, non so più niente, apprendo che il film è in fase di realizzazione, quindi sono sul set e stanno girando. Nel momento in cui Jacques Audiard arriva al montaggio, mi chiama, mi contatta e nel caso appunto di Un sapore di ruggine e ossa mi ha parlato di una sua idea della sequenza molto astratta, non ho capito molto di quello che intendeva, che voleva che io facessi, che intendeva dire. Gli ho chiesto di darmi delle immagini e ho iniziato a lavorare a partire da queste immagini. È stato così anche nel caso di Dipan, il suo ultimo film. Ho lavorato sugli aspetti tipografici dell'inizio e anche di una grossa sequenza alla fine del film, perché di fatto Dipan non ha titoli di coda. Credo che sia inevitabile a questo punto, data la mia lunga collaborazione con lui, che ci siano delle analogie o dei richiami nel mio cinema. Considero Jacques Audiard uno dei più grandi registi francesi viventi. Ho imparato molto e diventa impossibile per ciascuno di noi in qualche modo disfarsi dei propri maestri, dei propri riferimenti. Una delle cose interessanti nel film è che siccome siamo in un polar, siamo in un noir, siamo in un dramma familiare, bisogna trovare dei momenti in cui la narrazione ci sorprende. E a me ha sorpreso molto il momento in cui gli viene fatta l'offerta di diventare killer, e io pensavo, adesso questo qui ci pensa su, ne parla con la moglie, fa, non so, insomma, pensavo ad un periodo del film in cui la cosa doveva maturare pian piano. Invece no, stacco e lui è là pronto a sparare. Un bel colpo. Effettivamente, allora,
Dans la manière dont on travaille avec Thomas Bidguin et Noé Debré, qui sont les scénaristes du film, avec qui je travaille depuis longtemps, qui ont écrit Un prophète et de Rouillédas et d'Ipane, on travaille la plupart du temps sur le film de genre. Quand on fait du film de genre, c'est assez codifié et on a une série de scènes classiques. Et en particulier la scène où le diable va faire son offre, va proposer au héros, quand on fait du polar surtout, enfin du thriller, et à ce moment où le héros passe de l'autre côté de la barrière. Et quand on travaille comme ça sur du genre, et ben on fait cette liste et on se dit alors il faut faire ça, il faut faire ça, dans tous les thrillers il y a cette scène-là. Nous on n'avait pas envie de se... On s'était toujours dit on va pas se poser la question morale de ce qu'il fait, parce que ça on l'a dans beaucoup de films, on l'a vu, ça a été traité, le bien et le mal, est-ce que ce qu'il va faire c'est bien, il le fait pour sa famille, ça nous intéressait pas beaucoup. Ce qui nous intéressait, c'était une fois qu'on est passé de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est donné à n'importe qui de devenir un tueur, est-ce qu'on peut vivre avec, est-ce que c'est quand on est quelqu'un de lambda, qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve dans cette situation. D'où l'idée, effectivement, du type qui dit « Est-ce que j'ai le temps de réfléchir ?» Et l'autre lui dit non. Et hop, on passe directement. Voilà. Parce que c'est surtout dans l'idée de se dire « On l'a déjà vu, et c'était pas ce qui nous intéressait. » C'est un film qui est vraiment d'un seul point de vue, celui d'un seul personnage, même si on bascule à la fin, on pourra en parler, dans le point de vue de sa femme. Le film est dans un seul point de vue et il faut y rester. La question morale, elle a été posée déjà dans beaucoup beaucoup de films. Nous, ça nous intéressait pas dans celui-là. C'était un autre film en fait. Il modo, io ho lavorato su questo film appunto con Thomas Bideguin e Noé Debré, che sono gli sceneggiatori di Jacques Audiard, sono stati su Un profeta, su Un sapore di ruggine ossa e su Dipan. Dunque sono sceneggiatori che solitamente lavorano sul film di genere, con tutte le codifiche del film di genere e le scene classiche che impostano questo tipo di sceneggiatura. In questo caso invece quello che volevamo fare è, nel momento stesso in cui il diavolo fa la sua offerta, dal momento che si tratta di un giallo, arriva sempre questo momento in cui il diavolo tenta l'eroe, mostrare immediatamente il cambiamento di parte che prende l'eroe, quindi valica un confine e passa dall'altro lato. In questo senso il thriller ha questo punto nodale dove noi non ci siamo assolutamente posti la questione morale, la questione del bene e del male, non ci interessava affrontare questo tema. Quello che interessava a noi era capire, seguire questo individuo e capire che cosa succede una volta che lui passa dall'altra parte. È possibile davvero che un uomo qualunque possa diventare un killer, e a quel punto che cosa succede alla sua vita, che cosa succede a lui? Non c'è stato, quando il diavolo, il tentatore, gli propone di diventare un killer, lui chiede: ho tempo di riflettere su questa proposta? E la risposta è netta, dice no, perché noi abbiamo ritenuto che in fondo l'esitazione, la riflessione sia stata già vista proprio nel film di genere, mentre noi interessava seguire un punto di vista, il punto di vista del protagonista, con una piccola eccezione verso la fine, dove assumiamo invece, intuiamo quella che è la posizione e il punto di vista della moglie, abbiamo seguito lui fino in fondo. Il tema morale, la questione morale non ci interessava. Vedendo il film mi sono trovato in una situazione imbarazzante, perché quando lui accetta di sparare mi sono chiesto cosa avrei fatto io, e mi veniva voglia di fare lo stesso come lui, tanto quelli che ammazza sono dei brutali assassini. Avete pensato anche come? L'ultima frase che hai detto. Tanto quelli che ammazza sono dei brutali assassini. Perché le gens qui tuent sono dei assassini eux-mêmes.
Cioè, avete pensato anche a questa identificazione? Beh, je sais pas si c'est des assassins les gens qui tuent en fait. Ouais. On s'est jamais posé la question. Pour la petite histoire, la première personne qui tue, c'est Thomas Bidguin, c'est lui qui joue le premier meurtre, donc le scénariste du film, ce qui est toujours très plaisant pour un réalisateur. Par exemple, le meurtre qu'il ne va pas faire, il y avait le fait que ce soit une femme, ça travaille dans une banque, on n'est pas... on ne sait pas trop qui sont ces gens, et finalement, comme on est dans son point de vue, ce n'est pas très... Encore une fois, il n'y a pas de question de morale. Est-ce que les gens qui tuent sont des gens bien, des gens mauvais? On peut penser qu'ils sont mauvais, mais... Voilà, encore une fois, c'était vraiment retirer toute question morale à ça. Est-ce que... Ma avete pensato allo spettatore che poteva dire lo faccio anch'io? Au public, ouais, alors, spectateur qui en fait, dire, ouais, je peux le faire moi-même. Pour ça, l'idée, c'était de lui mettre la tête sous l'eau au maximum. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que sa vie est tellement compliquée, tout se passe tellement mal avec son père, tout ça, qu'il n'a plus vraiment le choix. C'était aussi pour ça qu'on évitait cette scène où il va se poser la question, parce que l'idée, c'est de faire sentir au spectateur que, à sa place, on y va aussi. Sauf qu'après, voilà, est-ce qu'après, on est comme lui, ou est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce qu'on a envie de continuer? C'était cette idée de lui mettre vraiment la tête sous l'eau. Alors je peux vous dire qu'au scénario il y avait encore plus de choses très difficiles qui lui arrivaient, mais il y a un moment ça devenait beaucoup trop et les gens commençaient à décrocher en disant on s'identifiait plus à lui. Il y a cette chose de se dire que c'est un personnage de la classe moyenne qui souffre actuellement. Je pense que c'est comme ça dans beaucoup de pays européens, qui souffre, qui a des problèmes d'argent, alors que c'est une classe moyenne, en France on dirait plus, c'est des gens qui ne sont pas dans la pauvreté, mais qui ont du mal à boucler leur fin de mois, alors que 5 ans avant, ils y arrivaient très bien. On avait même pensé, pour vous dire, sur l'affiche du film, il y avait marqué la résistance de l'air, encore une fois, le distributeur a refusé, mais on avait cette idée avec les scénaristes qu'en dessous, il fallait écrire « La classe moyenne ira en enfer ». Mais on voulait que ce soit un peu monsieur tout le monde. Voilà, il a sa femme, il a sa petite fille, il a son petit boulot. On ne sait pas très bien ce qu'il fait, il est peut-être assureur. Nous, notre idée, c'est qu'il était assureur, expert en assurance. Et il a un talent, il fait du tir au fusil, il le fait très bien, mais ça aurait pu être... Ça aurait pu être du ping-pong, sauf que après, narrativement, au cinéma, le ping-pong, c'est moins intéressant, ça permet moins de choses. Mais c'était ça l'idée, il a juste un talent qui va être dévoyé. Il fallait qu'au maximum, on puisse s'identifier à lui. Et en faisant un personnage de la classe moyenne, c'était sans doute le meilleur moyen, avec des problèmes un peu comme tout le monde. Un père qui n'a plus toute sa tête, une femme qui voudrait avoir une autre maison, un crédit, deux crédits... ce qui est quelque chose de finalement aujourd'hui, en France en tout cas, je pense dans beaucoup de pays d'Europe, quelque chose d'assez commun. Le film ne dit pas du tout qu'il faut prendre les armes, surtout pas. C'est pas l'idée, mais voilà, l'empathie devait se faire par un biais social en tout cas. Ma in realtà quello che noi volevamo con questo film era mostrare un personaggio comune. Per inciso, per raccontarvi un po' di aneddoti, il primo uomo che lui uccide è Thomas Bidguin, lo sceneggiatore del film, e simbolicamente il fatto che il regista scelga di uccidere il proprio sceneggiatore non è male. La seconda donna è appunto una donna, l'omicidio che lui non compie quando sceglie di non sparare, c'entra col fatto che è una donna e che l'aveva incontrata. Ma ancora una volta non ci siamo posti il problema morale di identificare queste persone come buone o cattive. Di fatto non sappiamo se sono loro stessi degli assassini. Quello che volevamo a tutti i costi sottolineare è lo stato di enorme difficoltà in cui si trova quest'uomo. Ha una vita estremamente
complicata in quel periodo, in quella fase, e di fatto non gli resta altra scelta. E l'abbiamo messo in questa posizione proprio per suscitare questa domanda di identificazione al suo posto: che cosa farei? E soprattutto, se dovessi arrivare a compiere la stessa scelta che compie lui, poi come sarebbe possibile tornare indietro? Bisognerebbe continuare a essere un killer assoldato da qualcun altro? Ma abbiamo veramente sottolineato il suo stato di estrema difficoltà. Tra l'altro, nella sceneggiatura le sue condizioni di difficoltà erano ancora più dure, c'erano altre cose, ma abbiamo deciso di eliminarle perché era troppo, e a quel punto non si sarebbe identificato con l'uomo comune. In fondo lui rappresenta un esponente della classe media, quella classe che oggi in tanti paesi d'Europa sta soffrendo, quelli che non sono, che in Francia vengono definiti classe moyenne plus plus, non sono poveri, ma fanno una gran fatica arrivare alla fine del mese, cosa che non facevano fino a 4-5 anni fa. E nella scheda del film avevamo messo sotto il titolo La Résistance de l'air, c'era anche un sottotitolo che è La classe media va all'inferno, ma il distributore si è rifiutato di tenere questo secondo titolo. Ad ogni modo, noi appunto volevamo che lui fosse un signor come tutti, gli abbiamo dato questa professione di assicuratore, quindi ancora una volta una professione borghese molto comune. Lui ha un talento naturale, che è quello appunto del tiro con il fucile. Poteva essere il ping pong, ma non sarebbe stato altrettanto efficace sul piano cinematografico, e credo che questo porti proprio l'identificazione con lui, perché chiunque può trovarsi con l'ordine di problemi che sta affrontando lui: un padre che ormai non ci sta con la testa, una moglie che vorrebbe cambiare casa, vorrebbe una casa più grande, insomma una situazione che quantomeno in Francia è estremamente, estremamente comune. Però il film non dice a nessuno di prendere, andare a imbracciare un fucile e a mettersi a sparare a qualcuno per guadagnare di più. Questo è sicuramente vero, che il film non vuole fare questo, però voi siete rimasti affascinati dall'atmosfera dei poligoni di tiro, perché ci sono delle sequenze bellissime lì dentro. C'était assez. Je m'y attendais pas du tout. Alors, l'idée du film, elle est venue d'un documentaire de 1964. Qui s'appelle Tokyo Olympiade, qui est un documentaire japonais absolument que je vous conseille. Je crois qu'on peut le trouver en DVD, qui avait été tourné en 70 mm, qui est un film vraiment fou, où le réalisateur prend chaque discipline des Jeux Olympiques et leur trouve une nouvelle forme. Lui donne une forme cinématographique sans jamais s'intéresser à qui gagne, qui perd. C'est pas ça. Et dans ce film, il y a... Il y a une séquence de tir qui est folle, enfin j'ai pas d'autre mot, qui est d'une beauté vraiment vraiment dingue. Et on écrivait avec Thomas Bidguin des jingles pour une chaîne de sport, et donc on regardait ça en boucle, et à un moment on voit cette scène et on se dit mais il y a un film à faire sur ces gens là et puis on a commencé à creuser, à aller sur internet, regarder un peu comment les tireurs, comment ils parlent entre eux, quelle est cette discipline. Et ça nous donnait en plus une solution à un problème de narratif qu'on se posait en France, en tout cas sur le cinéma. C'est comment on raconte, comment on fait rentrer dans un pays où les armes sont extrêmement contrôlées, comment on fait rentrer une arme dans la narration. Parce que dans le polar américain, dans le thriller américain, un type qui court dans la rue avec un pistolet, ça ne nous impressionne plus beaucoup. C'est assez classique. Par contre, en Europe, enfin, je pense qu'en Italie, c'est comme en France. Nous, en France, on voit jamais ça. Et quand des gens font des films policiers avec des policiers qui courent dans la rue avec des pistolets, on se dit toujours ah, mais c'est ridicule à Paris. Même si c'est bon, les événements font penser à autre chose. Mais en tout cas, quand on avait écrit ça, c'était pas pareil. Et ça nous donnait ce biais de faire rentrer quelqu'un qui a une arme chez lui. En France, et qui n'est pas un policier, qui n'est pas un représentant de l'ordre. Et on découvre. Et alors après, moi, je me suis mis à chercher. Je suis allé dans les stands de tir,
où j'ai découvert un monde parallèle de gens complètement, non j'exagère, pas complètement, mais assez obsessionnels, qui fabriquent leurs balles eux-mêmes, qui sont vraiment dans la précision. Parce qu'il faut dire que quand on tire à 300 mètres, on n'a pas de lunettes. Donc je ne sais pas si vous imaginez, 300 mètres c'est 3 terrains de football. Et la cible au centre, c'est la taille, c'est grand comme ça à peu près. Et sur une compétition de tir à 300 mètres, ils vont mettre 60 cartouches en une heure dans un rond de cette taille-là à peu près. Et quand on va, alors on peut se dire qu'à regarder comme ça, c'est très très ennuyeux. Et nous, on est allé voir les championnats du monde qui se déroulaient. Je crois 3 mois avant qu'on commence le tournage, et j'ai découvert une compétition qui m'avait, où j'avais été pris. J'avais l'impression de c'était un peu comme un match de foot, quoi. Je savais pas du tout qui allait gagner. C'était assez intéressant. Puis ils ont des combinaisons spéciales qui leur permettent de rester en place pendant plusieurs heures. Et vous avez ces perspectives très longues parce que 300 mètres, c'est 300 mètres dans des couloirs. Cinématographiquement, c'était très beau. Et c'était très chouette à regarder et puis à apprendre, parce que malgré tout, vous mettez un pistolet dans la main d'un garçon, on sait toujours jouer avec et faire les malins. Donc que ce soit les acteurs ou moi, on s'est entraîné avec des snipers de l'armée française qui avaient été en Afghanistan et qui nous ont appris à tirer et tout ça. Et c'était assez marrant. Je dois dire, pour le coup, je tirais plutôt pas mal. Reda Kateb, l'acteur principal, à sa première séance de tir, a fait un 9 et un 8, mais sur la cible de son voisin. C'était plutôt amusant. Mais c'est une vraie discipline très complexe qui exige une concentration, comme moi, j'avais jamais vu, et des notions de... Enfin, il faut connaître l'axe du soleil, il faut connaître la vitesse du vent, il faut connaître le taux d'humidité. Et tout ça cinématographiquement c'est très intéressant parce que vous avez quelqu'un qui tient un fusil qui est allongé, d'où par exemple le choix de tourner en cinémascope parce que je crois que c'était John Huston qui disait le cinémascope ça sert à filmer les serpents, et ben ça sert aussi à filmer les tueurs allongés, parce qu'on est, dans la largeur et ça, il y a tout un univers des rapports avec la profondeur, avec le flou, le net. Parce que quand ils tirent, ils sont là, même avec l'œil, quand on s'entraîne, on le sent. Hein. On regarde la culasse du fusil, et après, sans bouger, il faut aller regarder à 300 mètres. Et bien, je peux vous dire que votre œil, il sent la différence. Vous sentez musculairement les pupilles qui se contractent. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Très bien. Riassumi perché dobbiamo finire. Sì, molto rapidamente, l'idea del film mi è venuta vedendo un documentario che consiglio a tutti voi, che si chiamava Tokyo Olympiad nel 1964, veramente fantastico, dove esamina tutte le discipline olimpiche e le rivede in una forma diversa, senza preoccuparsi di quello che sono vincitori o sconfitti. E c'è una sequenza di tiro che è assolutamente di una bellezza folle, e con Thomas Bideghin, mentre stavamo girando un jingle, lo tenevamo in loop e abbiamo avuto lì l'idea di fare un film ambientato in questo ambiente. Abbiamo cercato su internet in cosa consiste la disciplina del tiro, il gergo che utilizzano le persone che la praticano, e abbiamo capito che lì avevamo veramente una soluzione a un problema narrativo, che è quello di girare un film in Francia, in un paese che credo analogamente all'Italia sia estremamente controllato sull'utilizzo delle armi, contrariamente a quanto avviene negli Stati Uniti, per cui non ci stupisce vedere in un film uno che gira armato, è assolutamente normale. Da noi, se non sono poliziotti o membri delle forze dell'ordine, è difficile. Invece, dandogli questa passione, questa disciplina, avevamo il modo di rappresentarlo. E lì abbiamo cominciato a frequentare i poligoni di tiro, che sono veramente degli universi a parte, pieni di persone che hanno una
passione assolutamente ossessiva per la loro disciplina, arrivano a costruirsi loro stessi proiettili di precisione, considerando che parliamo appunto del tiro a 300 metri. 300 metri vuol dire tre campi di calcio il caricatore arriva a contenere 60 cartucce che si costruiscono loro stesse e il bersaglio viene visualizzato come il fondo di un bicchiere. Ci sono stati anche campionati mondiali 3 mesi prima dell'inizio delle riprese e siamo rimasti incantati anche nell'osservare quello che sono le divise che queste persone indossano, che sono molto importanti per tenere la postura per un lungo periodo di tempo, e poi l'esercizio stesso che avviene in lunghi corridoi, insomma sul piano di vista cinematografico ci sembrava molto molto bello. Naturalmente abbiamo dovuto allenarci non soltanto noi ma anche Reda Kateb in particolare, che è il protagonista. L'abbiamo fatto con dei tiratori dell'esercito francese dell'Afghanistan. Reda, quando ha provato la prima volta, è riuscito a segnare un 9-1-8, ma nel bersaglio del vicino, non nel suo. È estremamente complicato riuscire a farlo, richiede una concentrazione straordinaria, bisogna considerare il riflesso della luce solare, la velocità del vento e il tasso di umidità, quindi una serie di caratteristiche fisiche incredibili. E la scelta è stata ovviamente di girarlo in CinemaScope, che ha dato non soltanto come formato a filmare un serpente, ma anche dei tiratori sdraiati, perché rende la profondità e questo spostamento che compie l'occhio in particolare quando guarda nel mirino e poi a 300 metri, ed è un momento in cui si sente proprio la contrazione della pupilla. D'ailleurs, c'est pas John Ford, c'est Fritz Lang. C'est qui? Les serpents, c'est Fritz Lang. È stato Fritz Lang a dire che il CinemaScope è buono per riprendere i serpenti in lunghezza. E mi sembra che il regista del film sulle Olimpiadi di Tokyo fosse un grande regista giapponese, se non mi sbaglio, Konnichikawa. Oui, Konnichikawa. Ouais, bon, c'est fini. Merci bien. Merci. Merci.